Yo les potes, c'est une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Et ouais, Clash Royale, c'est un jeu de ouf en vrai. Ça fait longtemps que j'y ai joué. Si vous recherchez sur ma chaîne YouTube, à l'ancienne, j'avais fait des vidéos Clash Royale il y a 5 ans, c'était un truc de ouf. Mais du coup, le jeu est revenu un petit peu à la mode, donc je vais vous montrer mon petit compte. Voilà, 5000 trophées et tout. Je vais vous présenter mon deck, mes cartes, mes émoticônes aussi, si j'ai des tours du roi, etc. Et en tout cas, si vous voulez plus de vidéos Clash Royale, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à me le faire savoir dans les commentaires. Et dites-moi dans les commentaires ce qu'on pourrait faire comme concept sur Clash Royale. Est-ce qu'on pourrait faire des lives? Est-ce qu'on pourrait faire des combats contre les abonnés? Est-ce que je pourrais vous montrer mon compte secondaire que j'avais à l'époque? Bref, plein de trucs. Vous me dites en commentaire ce que vous voulez, des tournois, des clans, j'en sais rien. Du coup, je vais vous présenter mon petit compte aujourd'hui. Enfin, mon petit compte, mon gros compte, avec 5000 trophées. Donc déjà, j'ai 113 gemmes parce que j'utilise tout le temps mes gemmes, moi. Donc c'est pour ça que j'en ai pas beaucoup. Pareil pour l'or, j'utilise tout le temps dès que je peux améliorer. De toute façon, je suis niveau 12 bientôt. J'ai 1800 étoiles, ok. Là-dedans, j'ai récupéré toutes mes récompenses. Sauf les derniers niveaux, mais je suis pas encore niveau, dernier niveau. Alors, ici, qu'est-ce qu'il y a de beau? Prince End, ok. Avec mon identifiant, niveau 11, 5100 trophées, combattant 1, animé en VF, ok, je suis le chef. Ça, c'est mon deck actuellement, mais c'est pas mon vrai deck, quoi. Mais j'aime bien. Du coup, voilà, 5100, meilleure saison. Saison précédente, j'ai fait 5030. Parce qu'en fait, je joue plus trop au-dessus de 5000. Sinon, je pourrais monter, mais je joue plus trop. Enfin, je joue, mais bref, on s'en fiche. Je monte pas au-dessus de 5000, ça me dérange pas. Ensuite, j'ai fait 1000 victoires. Je joue depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans et 5 ans. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous savez pourquoi ça c'est en violet, pourquoi ça là c'est blanc, pourquoi ça c'est noir et pourquoi celui-là il est gris bizarre. Ensuite, du coup, j'ai atteint l'arène légendaire. J'ai remporté des victoires de jour de garde du clan et 12 victoires en super défi. Là, il y a mes stats, on va les lire vite fait, mais on s'en fout. 1000 victoires, 700 victoires à 3 couronnes, 5000 trophées max. J'ai trouvé toutes les cartes sauf les 3 champions. 36 000 dons, carte préférée chevaucheur de cochon, 13 victoires, 16 000 cartes récupérées, en défi 10 victoires, carte gagnée 1200, 2 participations, 2 victoires. Et ici, on voit que des clans j'ai été exclu. Bon, celui-là, je crois que c'est un clan random. Genre, vous voyez quand vous marquez clan et vous rejoignez un clan au pif, bah j'ai rejoint un clan au pif, ils m'ont expulsé, ok. Et ici, c'est le clan d'Aspaz, je l'avais rejoint, mais il m'a expulsé parce que. Bah, j'avais quand même 5000 trophées, mais ils avaient tous plus que 5000, du coup il m'a expulsé. Là, c'est quoi? Les nouveautés, on s'en fiche. Les vidéos, l'e-sport, on s'en fiche. Qu'est-ce qu'il y a de beau ici? Journal d'activité, on peut voir vite fait des petits combats, voilà, on s'en fiche. Tournoi, c'est quoi ça? C'est les tournois que j'ai fait moi? Aucune idée, honnêtement, je sais pas ce que c'est. Classement, bah, je suis pas dedans du coup, mais c'est normal. TV Royal, bon, ça on s'en fiche. Camp d'entraînement, on s'en fiche. Tournoi, je sais pas ce que c'est. Passe de combat, bon, la saison vient de commencer donc j'ai pas trop joué et j'ai pas encore le pass. Ensuite, du coup, je suis arène max. Voilà, c'est la dernière arène. Après, il y a les ligues, mais moi je préfère être arène max. Je m'en fiche des ligues. Du coup, on va tourner à droite. Ça, c'est mon clan. Donc voilà mon petit clan. Hop. Animé en VF, voilà les membres. Il y a du coup moi, il y a Blouds, encore moi et encore Blouds. Voilà, on a tous les deux 5000 trophées. Et puis nos petits comptes, voilà, on joue pas trop. Bon, là, c'est les petits tournois, il n'y a rien d'intéressant à vous montrer. Du coup, mes cartes, on va voir ça après. Dans la boutique, qu'est-ce qu'il y a de beau? Hop, ok, on scroll. Bon, il n'y a rien de ouf. Ok. Et du coup, le plus important, les cartes. Alors, on va aller d'abord à droite. J'ai le petit truc à donner. Hop, bah je peux pas tout tes max. Qu'est-ce qu'on va donner? Je vais donner de la boule de feu. Hop là. J'ai aussi des trucs de coffre là, mais du coup ça sert à rien. Dans mes tours, j'en ai pas, mais par contre sur mon autre compte, j'en ai. Donc pourquoi pas, je vous montrerai. Mes émoticônes, on va les voir en dernier, c'est plus important. Alors mes decks, ils sont vraiment n'importe comment. Faut savoir que le méga chevalier, je le joue pas. Voilà, mais je l'ai mis dans ce deck juste pour défendre les méga chevaliers. En gros, quand les gens jouent des cartes un petit peu comme ça, cancer, bah moi je défends avec une carte cancer. Mais sinon, je vais pas attaquer avec, je suis pas un malade. Ce petit deck là aussi, je sais pas pourquoi j'ai mis le gel. C'est des decks que j'ai fait vraiment vite fait, les gars. Même celui-là, je le joue pas. Celui-là, je le joue pas non plus. Je sais pas ce qu'il fout là.
Ah, c'était qu'on mettait des cartes aléatoires. On faisait n'importe quoi. Bref, du coup, mon vrai deck, il est plus là. Il faudrait que je le recrée. Vous savez quoi? Attendez, je vais le créer et je vous retrouve dans 2 secondes. Oh les gars, en fait, j'ai pas besoin de le créer. Je l'ai retrouvé. Regardez. En fait, vous avez 10 pré-réglages de deck. Donc voilà, ça c'est mon deck actuellement. Et celui-là, c'est un deck où j'avais mis des cartes aléatoires. Ça, c'était un deck, je sais pas, je l'ai fait quand, il est bizarre. Ça, c'était un deck assez cool, mais qui est pas non plus le mien. Et celui-là, il était pas mal aussi. Mais du coup, en fait, vous avez d'autres decks. Il y en a 10 autres. Et en fait, ils se sont faits automatiquement. Et donc ça, c'était mon ancien deck, les gars. Ok, bah voilà. Si vous le voulez, il est très fort. Et à la place du chevalier de glace, j'avais aussi mis le sorcier électrique. Donc voilà. Vous pouvez choisir entre les deux là. Et donc, il est très très cool en vrai. Et pourquoi pas, à la place du fuyat gobelin, de mettre une petite tombstone. Mais voilà, du coup, mes petits decks qui sont niveau 10-11 à peu près. Parce que c'est galère à améliorer les cartes, ça coûte trop cher, j'ai même pas d'or. Et dans les émoticônes, ce qui vous intéresse le plus, il me manque beaucoup, hein. Oula, il me manque beaucoup. Mais du coup, j'ai déjà les trois là, si je dis pas de conneries. Non, pas lui, si lui aussi. Bref, ils sont dans la ligue des trophées. La bûche, je sais pas où je l'ai eu. Les quatre là, je les avais eu dans un tournoi, mais je crois que vous pouvez les acheter en boutique. Ça, c'est les classiques. Et du coup, voilà celle que j'ai acheté dans la boutique, moi. Donc, j'ai acheté celle-là à l'époque. J'ai libéré tous mes copains. Le petit prince qui boit du thé, un peu cancer. Celui-là. Le petit cochon. Un petit gobelin sur l'eau. Celui-là, c'est quand vous vous connectez à Supercell. Et celui-là, je sais pas où je l'ai eu. Donc, si vous savez, peut-être qu'il est rare. Donc voilà mes émoticônes. Sur mon compte secondaire, j'ai plein d'émoticônes encore. J'en ai même plus. J'ai aussi une tour du roi. Enfin bref. Vous avez juste à me demander dans les commentaires et je vous ferai une vidéo sur mon compte secondaire. Et d'ailleurs, attendez, je vais peut-être modifier ce deck. Je vais mettre la tombstone à la place. Attends, faut que je le trouve. Je vais mettre par élixir. Elle est où la petite tombstone? Elle est là. À la place du fuyat gobelin. Hop. Et ici aussi. Hop. Où est-ce qu'il est? Hop, je le mets là. Et on va mettre par niveau. Et on va mettre. Hop. Voilà. Vous pouvez choisir entre les 4 decks. C'est pratiquement les mêmes. Mais ils peuvent changer. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, les gars, sur ma présentation de mon compte Clash Royale. En vrai, j'ai un bon compte. Et puis, si vous voulez 1v1, dites-moi en commentaire. Rejoignez mon clan. Je vous le remontre une dernière fois. Voilà, vous marquez ça. Animé en VF. Zéro trophée nécessaire, mais je crois que je dois vous accepter. Et puis, on va faire des petits 1v1. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et pensez au code créateur NCU dans la boutique Fortnite. Ciao!